vous allez avoir comme recette dans ce livre? Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Aujourd'hui, je vais vous donner officiellement et vous dire que le livre est maintenant disponible. Le livre que tout le monde, je sais que vous attendez impatiemment, malgré que le COVID-19 ne nous a pas facilité la tâche, le livre est disponible maintenant. Journal intime des mamans Fatou. Bon, qu'est-ce que vous allez avoir comme recette dans ce livre? Toutes ces recettes sont vraiment intéressantes. Voilà, mais déjà, il y aura beaucoup, beaucoup de recettes. Je ne peux pas citer parce qu'il y a déjà 20 recettes dans ce livre. Et c'est le tome 1 du journal intime de Maman Fatou. Les autres viendront bientôt, Inch'Allah. Mais voilà. Déjà, je vais vous donner peut-être quelques titres, quelques trucs qui vous disent ce que vous allez avoir dans votre livre et ce que vous pourriez faire vous-même. Monsieur, bon, je sais que vous pouvez le faire parce que je vous ai appris beaucoup. Hein? Mais là, vous avez dépassé le maître. Mais déjà, il y a la chance, il y a une recette de chance dans les affaires qui va vous faire prospérer réellement. Celui qui va vous booster même la vie de vos affaires. Parce qu'il ne suffit pas de faire les affaires dans le vide. Tant que tu fais les affaires que tu n'as pas boosté ta chance, mon ami, dis-toi que tu vas gaspiller ton argent inutilement parce que ça ne va pas aboutir quelque part. Il faut vraiment booster sa chance. Et vous n'aurez pas besoin de Maman Fatou pour ça parce que dès que vous avez votre journal intime, tout est à votre portée. Les ingrédients sont faciles à trouver déjà. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment facile à les réaliser ce bain. C'est des petits bains, des trucs, mais qui sont vraiment bons, qui boostent sérieusement votre chance. Donc, si vous êtes malin, comme Maman Fatou, venez prendre vos livres, parce que déjà, vous savez, hein, je ne fais jamais en quantité énorme, parce que j'aime tout ce qui est limité. Voilà, donc, vous devez venir chercher vos livres. Pour déjà, les voyages, comme j'avais dit, le COVID-19 nous a super bloqué, nous tous, comme vous voyez, je suis encore à Abidjan. Mais déjà, je suis en train de programmer parce que je sais, Inch'Allah, les semaines à venir, ce COVID-19, on aura fini avec lui. On a un programme bien précis et le planning doit se faire maintenant. Comment ça va se passer? J'ai plusieurs pays où je dois aller. Il y a le Gabon, le Cameroun, le Tchad. Le Burkina Faso, le Burkina Vu, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Et même la Côte d'Ivoire, mais l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, pour me voir, vous devez avoir votre livre avec vos kits. C'est quand vous prenez votre kit que vous devez faire le rendez-vous parce qu'on ne va plus venir chez moi comme si on était au marché. Tu as pris ton livre, ça veut dire que tu as pris un rendez-vous. Et tout le programme est fait. Et pourquoi on doit faire ce programme? Je dois savoir combien de personnes dans tel pays qui m'attendent. Je ne vais pas me déplacer pour deux personnes dans un pays, ce n'est pas possible. Donc le Gabon, vous m'écrivez à tout moment, maman c'est quand. Bon déjà, on est bloqué par le COVID-19. Dis même, on ne peut pas changer son nom, ce truc-là. COVID, là, on va le changer. Attendez, on va trouver une solution. Donc pour venir au Gabon, je dois avoir minimum, je dis bien 20 personnes. Donc, vous devez prendre contact avec mon équipe, déjà pour prendre vos livres pour le rendez-vous. Parce qu'avec vos livres, vous devez venir me voir et on va discuter maintenant de vos problèmes. Et je vais profiter pour dédicacer vos livres. C'est pour moi une joie de causer avec vous parce que déjà, je sais que tout le monde est stressé par le COVID-19, mais mes amours, restez tranquille. À la fin de ma vidéo, je vais vous donner une recette simple que vous allez appliquer tous chez vous. Et vous serez couvert du COVID. Lui, il ne va pas vous toucher parce que moi, mes amours, ils tomberont jamais malades. Portez-vous bien. Bisous.